Allez, je me sens d'attaque. On va y aller de suite. Et de suite, nous allons attaquer la base. Alors, on va descendre au grappin assez facilement. Avec une petite sauvegarde, bien sûr. Oh, allez, descend un petit peu. Oh, ok. Alors toi non, par contre le petit tigre, chut, à la maison. Plutôt prendre le saguet. Il arrive là. Moi je vous dis, on l'embranche. On broche. On va se le faire. C'est récupéré en saguet. Ouh là 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 là, c'est chaud. Ce que je tente, c'est chaud là. C'est rare que je réussisse. Oh oui. Je vais pas réussir. Putain, je suis pas du tout confiant en moi là. Ok. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui va merder. Non. J'ai cru qu'ils avaient tous déclenché l'alarme là. Alors. Là normalement, si j'ai bien tout fait. Normalement ils sont tous morts. Non, il en manque un. Il en manque un, il en manque un. Oh, il a compris que c'était un Segway qui les a tués. Du coup, il est un peu sur ses gardes, ce connard. Mais c'est pas ce qu'il fait. En fait, c'est un peu des brutes. Moi, j'appelle ça des berserkers. Je suis habitué à Call of Duty, tu vois. Voilà. Putain, ils sont plus faciles à tuer d'un coup comme ça que... Et là, casse ça. Hop. Là, normalement... Ouais. Mais le boss il est ici. Mais nous on va créer un petit Ouais, ça c'est bon. Laisser se faire attaquer. Allez, défoncez-lui les fesses, les gars.
J'adore faire ça. Oh, il prend cher, hein. Ah, il joue bien, il joue bien. Ah, il joue pour moi, là. J'ai déjà le volé moitié de la vie. Allez hop, on va aller. Allez hop là. Et voilà. Forteresse. On l'a réussi en 6 minutes les gars. Coordination, silence, exécution à l'arrière. Et on a réussi ça en 7 minutes. Sans faute. Pur kalash tachisla dachaita. Uno guash. Guash? Ti wenja mim guama. Winja guashta. Ah, il voulait qu'on vienne à lui, c'est un enculé. Bon voilà, on va apprendre les bombes à feu. Alors Da, c'était les bombes à folie, et là c'est les bombes à feu. Donc ça va être intéressant de voir. Nasham Sushalhain. Umana! Nashan Hamagam! Mais si tu vas pouvoir respirer. Bon, je suppose qu'il n'y a que lui qui donne des quêtes. Ouais. Bon bah on va partir sur lui. Tiwal Kaushi Misu Fumaiga! Aishim Laushta! Mutisaku Shuenja! Wal Kauhimi! Tahai salwaya. Umana! Gaujata Mau Twarshi Suman. Umana! En gros, faut aller chercher des graines, je crois, c'est ça que j'ai compris. Bon, on va aller chercher ces graines. Alors, c'est où sa mission? Donc, ouais, le fort, on a essayé assez rapidement, du coup, bah. On a libéré une grosse partie, du coup, on va aussi libérer. Il y a une partie là, ici, là, ici.
Faudrait quand même qu'on aille la libérer. Et du coup, les terres exilées, on peut déjà y aller. Et je suppose que ça va faire comme pour Hull. On aura la terre des Isilas, je crois, c'est ça. Les terres des Isilas qui sera entièrement ça. Il faudra capturer le bûcher et tout ça. Et l'avant-poste, bah, ça sera le boss. Et bah, du coup, Uric le penseur est encore en vie, les gars. Uric le penseur est en vie. Attention, on passera le voir. Mais on va faire la quête quand même de notre nouveau résident. Et on finira par Uric le penseur. Et j'espère que je serai assez prêt pour aller me faire les easy là quoi. Finir ces easy là. Et après me concentrer sur des choses moins primordiales comme la chasse, tu vois. Tranquille. Alors, toi là, monture qui vient. Allez, viens là. T'as l'impression que t'as des yeux dans les buissons, mais non, c'est le reflet de la lumière. Qui est assez bien foutu, il faut l'accorder. Allez, bougez-vous, je sais pas que ça va foutre. Je me demande où il nous envoie chercher les graines quand même. Germes du soleil, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Atteignez le terrain d'essai. Ouais, on va l'attendre. Pouf! Comment ça? Tu m'as vu? Un trouvé. Oh putain! Ah putain! Excuse-moi. Je me suis cassé la gueule là. Ils écoutaient de la musique, attention, Ils écoutaient du Michael Jackson. Bon, bah, on va se faire. Qu'est-ce que tu me veux toi encore? Toi tu vas pleurer après quand je t'envoie les... Voilà, quand je t'envoie les abeilles tu pleures. Le sac. Ok. Bon, ça y a personne. C'est parti. Par là, il doit en avoir. C'est putain de ça qui est là. Le prochain, on va pas se laisser avoir. Voilà, c'est parfait. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elles vont nous apporter ces graines, mais j'espère que les bombes de feu et ces graines là vont être intéressantes. Sinon, on s'en fout, hein. C'est pas ça qui va nous aider à tuer la bonne la chef des Isila là, j'ai déjà perdu son nom. En tout cas,
J'ai jamais vu aussi... Enfin, les items, ils étaient chauds à tuer parce qu'ils étaient... Ils étaient plus musclés, je trouve. Alors que là, c'est impressionnant, tu sais, c'est un peu des gens faibles. Ok. Fuyez la zone. Ok, on se casse. Voilà, mission faite. Moi je dis maintenant on va retrouver Yorick. Yorick qui est là, qui est juste là. Hop, on se télécharge sur Yorick. On va voir ce que les dégâts qu'on lui a commis causé quand même. Il a dû avoir mal hein. Il a dû avoir mal de ce que on lui a envoyé dans la tête. Ouais, j'ai fait mon bâtard quand même. Faut avouer. Ok, alors. Un petit Yorick le penseur. Hop. Ta 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 ta. Alors, qu'est-ce que nous a préparé ce cher Yorick? Je sens mal aussi, celui-là. Je demande d'aller chercher quand même. Yorki change d'odeur, putain. Yorki un peu con, quoi. Yorki un peu con, oui. Ah, voilà. On peut lancer son grappin là. Ça, c'est bon. On lance notre grappin là-bas. Oh putain. On va y arriver, on va y arriver. Atteindre le point suivant, hop. Voilà, on peut l'atteindre. Là, ça n'a pas bugué. Putain, faut avoir la poigne et des muscles hein, pour faire ça. Hein. Putain, c'est pas moi qui le ferai ça. Je me demande c'est quoi les ingrédients malodorants pour Yorick. Ah oui, effectivement c'est des éléphants. Des petits éléphants. Alors, boost de Rhino. Waouh, 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 waouh. On va l'envoyer chier. Vachement voilà quoi, de la bouse de Rhino quoi. C'est comme si on vous demandait de bah je sais pas quoi. Bah prenez vos excréments et on se vous les fout sur la gueule quoi. Bouse de Rhino, rayon de miel, en fait le mec il veut crever quoi. Franchement il va se faire buter Yorick. Mais je pense que ça va être... c'est un peu comme Cartman en fait. Thank you.
Toi, franchement, t'as envie de crever. Ça, je suis voir. Tu veux crever, toi? Ah bah ouais, tu voulais crever. Voilà. Voilà, t'es mort. Hop, on va chercher maintenant le rayon de miel. La chasse. Je crois que c'est le jeu où j'ai chassé le plus. Même dans The Witcher, j'ai pas fait autant de chasse. Mais j'aime bien. Franchement, c'est un jeu qui m'accroche. Tous les Far Cry m'ont accroché. Même si celui-là, il est très répétitif. Il n'y a pas forcément des missions comme dans Far Cry 4. Hein, il faut se le douter. J'apprécie quand même. J'apprécie quand même la diversité des décors, les trucs comme ça. Et je trouve ça énormissime. Hop. Ok. Alors on va apprivoiser l'ours. Juste après. Ah ouais, faut monter quoi. Allez hop. Toi un peu con quoi. Nous les Wanja intelligents. Nous les Wanja utilisez grappins. Et vous, je pense pas que vous utilisez les grappins les gars. Et lui, pas rentre. Allez, laisse-moi t'improviser. Voilà, on va aller voir Orki, hein, t'inquiète pas, on va aller voir mon petit Orki, viens. Viens, suis-moi, on va aller voir Orki. Attends, attends. Ah bah je peux monter sur les ours aussi, ça c'est cool. Bon, ma petite balade en ours, hein. Exceptionnellement. On laisse Jean-Pierre et on prend... On prend gros nounours, on prend Booba. On est plus très loin normalement. On va descendre la montagne en nounours. On va descendre la montagne en nounours. Ah, son armure en pierre et tout. Voilà. Ouais, tu vas être badass. Ouh là 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 là, je sens trop mal. Tellement bien modélisé, Irki, ça me fait tellement taper une barre. Bon, retourne à notre village voir, voir notre prisonnier, notre nouveau prisonnier. On va finir la quête quand même. On va finir ce bel épisode. Je suis content quand même d'avoir fini à Fartaras aussi rapidement. Alors, avec Dada, j'avais galéré pas mal. Mais je trouve les îles plus simples. Pas dans le sens où c'est plus simple, dans le sens où ils sont un peu plus faibles. Et que comme t'as déjà pris un peu les techniques pour les anciennes forteresses, bah t'as plus de simplicité. Après ça reste assez long et simple. Long et pas si facile on va dire. Mais bon. Pashta Wenja Sakwim Multi Sakush Kum no Sakwita Tam Wenja Idamji. Ouais, on a tous des huttes, à part toi.
Ah bah voilà, toute aptitude. Il a voilà les quêtes, je crois. lui, il faut du rhino rare. Oh, bah, ça va être pas mal, comme ça on pourra améliorer. Lui, il faut du loup tigré. Mais je sais pas où on récupère du loup tigré, tiens. On va aller se renseigner. C'est en blanc, ouais. Du loup tigré, du grand et loup, du lion noir, du loup tigré. On aperçoit parmi d'autres loups, construction de la piste de feuille dans une vision de chasseur maintenant, pour rare. Du loup tigré, c'est rare que j'en vois quand même. Quoi, Winjashnar? Machigua marsh ham guanarsh. Shuta mutash la dam shatarsh. Quoi, Winjashnar? Proberte. Sahina charge. Proberte. Susherhain. Winja guanarsh. Usiyi. Usiyi qua de swada. Suchli. Sashwa. Mashajra su. Winja hasar suhli smaya da. Uhai takar. Aish winja salwata. Sushalan ha nama. Aish musa paluhu. Izila warista dacha. Ouais, c'est fait un nouveau pote. Bon, nous on va sauver le Wenja. Il a besoin de nous. Alors, faut que j'y aille, je fonce dessus direct. À part si c'est à 4 millions de kilomètres de où je suis, et je suppose que oui, c'est bien loin. C'est bien loin, bien loin, bien loin. Prendre la position cache spéciale. Ouais. On va y aller direct rapidement. Donc, du coup, je mets mon point là. Waouh! J'ai un abonde que j'ai ça! Oh non, c'est nul! Oh, je me sens con. J'avais ça depuis le début. Ok. J'ai pas besoin d'une ours, je vais récupérer mon. Mon Jean-Pierre! Allez, Jean-Pierre, on retourne, on a un Wenja à sauver. Allez hop, c'est parti. Après, je pense qu'on ira. Non, bon, c'est bon. Je vais aller sauver le Wenja et c'est tout, hein. Ah, je sais pas ce que ça doit être par là. Ouais, c'est par là, c'est sûr. Ah ouais, eux c'est vraiment la mission en avant quoi. Et sauver Jean-Pierre aussi. Hop, on a sauvé le Wenja. Et on peut enfin finir cet épisode sur ce beau sauvetage, même quoique un peu rapide. Aka Athènes. Et on finit sur cette exécution. Et on se retrouve au prochain épisode. Le prochain épisode,
Je pense que. Bah écoutez, je vais essayer de faire la chasse au. Pour compléter mon village à fond en fait. C'est-à-dire que je vais faire la chasse au rhino. De la chasse à l'érable noir et à la pierre du sud. Et partir aussi à la chasse du caillou du noir du nord et peau de loup tigré. Et du coup, on se retrouvera donc juste après que j'ai fait ces recherches. Je relancerai un épisode. Et je pense que j'aurai de nouvelles missions. Et dès que j'aurai fini bah, ces nouvelles missions, je pense qu'on partira cette fois-ci sur les terres d'Isila. Et enfin finir et libérer Horos. Et avoir enfin une vie paisible pour les Wenja, même si vous avez remarqué, on a plein de missions orange. Des missions qui sont pas forcément utiles, hein, quoi, si on les prend bien. C'est aider les Wenja, c'est des missions de grotte, aider les Wenja. Donc c'est des trucs pour améliorer le village. Sachant que notre village, je crois qu'il est quasi au maximum là, non? Non, il est encore, on est à 133 membres de tribu, il faudra monter, tu sais, à 300. Et franchement, ça va être trop long et difficile. Mais donc, du coup, on verra pour la suite. Mais je pense qu'il y a encore quelques épisodes sur Far Cry Primal, sachant que je fais un let's play qui deviendra un playthrough dès que je l'aurai fini. Et non pas un walkthrough. Enfin, moi, je suis là pour montrer le scénario et un peu tout ce qui tourne autour, mais pas tout. C'est-à-dire que je vais pas capturer toutes les pierres qu'il y a dans le jeu. Je vais pas capturer toutes les bêtes qui sont dans les deux jeux. Je vais pas peut-être pas forcément monter mon village à 300. Voilà, je vais pas faire le jeu de A à Z. Je vais vous montrer le scénario et tout ce qui est intéressant autour. Voilà. Sur ce, c'était Uzutsuki pour un épisode sauvetage et forteresse. Forteresse qu'on a réussi assez rapidement. Et on se retrouve pour le prochain épisode.